Ce qui est important aussi de, 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 de comprendre dans nos travaux euh, ethnographiques, c'est les sources de connaissances auxquelles on va avoir euh, accès et surtout qu'on va rechercher. On ne va pas simplement euh, se contenter de faire de... Euh, de l'ethnographie participante. Effectivement, ça va, c est, c est, ça va être effectivement une des grandes sources de, de, euh, de travail, d'entretien avec les interlocuteurs. Mais euh, ce, ce qu'on cherche aussi, c'est entourer ces, ces entretiens directs par d'autres sources euh, de connaissances euh, possibles, et en particulier... Surtout quand on travaille sur des, des lieux comme euh, nos sociétés ou d'autres euh, disciplines, on euh, pignon sur rue depuis bien longtemps, la géographie, l'histoire, euh, les, les démographes. Donc on va se servir des travaux qui ont été faits euh, par euh, ces, ces chercheurs de disciplines différentes. Et, on, on va essayer de, de, de les utiliser pour comprendre ce que nous, on dit de différents d'eux. Et en plus, on va étayer nos, nos recherches par euh, l'interrogation sur des, euh, des sources que généralement les, les, les ethnologues n'utilisent pas directement. Par exemple, on va travailler dans les archives. Comme si on était des historiens, mais à la différence des historiens, euh, peut-être au lieu de prendre ces archives euh, simplement comme euh, euh, pour ce qu'elles nous racontent au moment, donc à, à l'époque où ces archives ont été écrites ou euh, ensuite euh, de ce, ou dont elles parlent, euh, on va essayer de comprendre comment ces traits que l'on trouve dans les archives. Existent encore aujourd'hui, sont encore vivants aujourd'hui dans la, la pratique euh, sociale, dans la mémoire des gens euh, aujourd'hui. Si vous voulez, ce qui, ce qui nous intéressait justement au travers de, de ces sources-là, c'est de voir comment l'histoire du village avait été intégrée par les villageois eux-mêmes. Donc c'est comme ça qu'on va se servir de, 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 de ces archives. Mais, euh, on ne va pas essayer de remplacer la mémoire de nos informateurs par celle que l'on trouve dans les archives. C'est au contraire quelque chose qui va prolonger, en fin de compte, nos propres recherches de terrain direct, participante ou orale, en tous les cas, par le recours à, à ces archives. Et puis aussi d'autres. On va se servir de euh, disons d'une littérature aussi, de la littérature, euh, la littérature régionale qui, euh, dans, dans notre société, enfin en France surtout, a, a, a eu euh, beaucoup de, de, euh, de place et euh, de voir qu'est-ce que raconte cette littérature régionale pour là encore euh, essayer de comprendre comment elle, elle prend toute, son, toute sa place et toute son l'ambiguïté euh, ou toute sa vérité dans la société qu'on étudie. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai travaillé de différentes façons. Par exemple, en Normandie, euh, j'ai travaillé sur euh, deux sources différentes. Par exemple, sur une source, il euh, y, y a un très célèbre euh, euh, livre de raison qui existe euh, dans sur cette... Euh, cette partie du Cotentin, qui est le, le journal de Gilles de Gouberville. Gouberville est un, un, un petit gentilhomme normand euh, qui, euh, qui habitait tout à côté de la Hague, d'ailleurs, mais de l'autre côté de, Ch de Cherbourg, aux environs du XVIe siècle. Et pendant... Euh, on a retrouvé que, disons, 15 ans de ce livre de raison. Un livre de raison, c'est... Euh, un journal où il écrivait au jour le jour ce qu'il faisait, ce qu'il dépensait, ce qu il avait, qui il avait vu, qui il avait rencontré, qui était venu, qui était passé chez lui, et ce qu'il avait fait et ce que tout, toutes les personnes autour de lui euh, avaient fait. Et donc ce, ce journal de Gilles de Gouberville a été beaucoup examiné par les historiens, en particulier par le roi Lalurie et par euh, d'autres. Euh, historiens, Madeleine Foisil, etc. Mais ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de, de comprendre, ou de voir plutôt comment, ne serait-ce qu'à propos d'un trait particulier, la parenté, puisque c'était ça qui, la famille et la parenté, euh, comment ça se passait au temps de Gilles de Gouberville et comment ça se passe aujourd'hui à l'Ague, alors que j'y travaillais. Et c'est cette recherche que j'ai faite au travers du... du de, de, du livre de raison de Gilles de Gouverville et ma propre recherche ethnographique à l'époque, donc à la fin du XXe siècle. Et c'était très intéressant de, de voir les changements qui s'étaient produits et, les, et en même temps les, tout ce qui restait d'identique. Mais euh, c'est vrai, Gilles de Gouberville, par exemple, ne s'est jamais marié, ce qui est quand même étonnant, parce que Gilles de Gouberville n'a jamais euh, pu trouver euh, une personne qui veuille bien partager euh, son existence, d'après ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas grand-chose, à part ce, ce journal, il n'a pas laissé beaucoup d'archives, mais il a eu... Euh, une famille d'à côté, en quelque sorte. Il a eu euh, euh, des, euh, des bâtards. Et, euh, et à l'époque, c'était très courant d'avoir euh, une famille officielle et une famille euh, ancillaire en quelque sorte, qui était euh, des, des enfants nés de euh, d'amour qu'il avait eu avec ses servantes ou avec euh, d'autres euh, personnes de rencontre. Et, mais euh, qu'il a... Euh, constamment euh, suivis, éduqués, dotés, mais pas au point de, que si c'était les, 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 les vrais. Donc il y a toujours eu une différence entre ces familles euh, d'à côté, en quelque sorte, et la vraie famille. Et puis, bien sûr, il y a eu la réforme au XVIIe siècle en France qui a. Euh, Enfin, fait en sorte que, que ces mœurs ne soient plus possibles, qu'on ne puisse plus vivre comme ça. Ce qui était très répandu et très admis au XVIe siècle ne l'a plus été au XVIIe. Et, et donc, euh, sauf dans les familles aristocratiques où il y a toujours eu des, euh, des enfants nés d'autres amours, il enfin, y a qu'à prendre toute l'histoire de... de madame de maintenon, avec louis xiv, enfin, etc. mais dans les classes paysannes ou dans les classes euh, petites, euh, des, des, des petits gentilshommes euh, normands, enfin, de, 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 la, de la france profonde, ce n'était plus admis. et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, j'ai poursuivi cette, cette enquête, en quelque sorte, en essayant de retrouver les descendants de Gilles de Gouberville aujourd'hui et les descendants de ces bâtardes, comme il disait, mes bâtardes. Et ce qui est tout à fait. Non, a, je les ai retrouvés et ces deux types de familles ont eu des destins euh, totalement différents. Comme quoi, quand même, l'origine sociale euh, joue un rôle fondamental dans le devenir d'un de, groupe social. Les, euh, les gouberville d'aujourd'hui se, se, euh, ont gommé totalement tout, toutes euh, ces familles bâtardes qui se sont trouvées autour de gilles de gouberville mais de son oncle qui était curé mais qui avait aussi euh, toute une famille aussi euh, euh, d'à côté comme ça et euh, ils ont euh, persévérés, ils ont acquis des lettres de noblesse peu à peu au XVIIe, au XVIIIe siècle et aujourd'hui ils sont dans la, la petite aristocratie euh, de, de, de la région de, de, euh, autour de Paris. Et ils sont dans les, sont dans les sphères euh, de, de la haute bourgeoisie euh, euh, parisienne. Enfin, par contre... Euh, la, les, les, la famille des descendantes de, de ces filles qui se sont mariées, euh, de ces bâtardes, et, et, sont, et qui, que j'ai retrouvées, qui vivent toujours dans la région de Normandie, mais sont restées dans. Euh, l'artisanat dans, dans, dans les, des métiers euh, de, de base de la société, de, disons les métiers euh, courants de, de ouvrierisme ou agricole de la société, et euh, on se sont mariés entre eux, en, entre familles de, de, du même type social, et, et, et même avec eux aussi, ce qui est assez... Drôle ou en tous les cas euh, intéressant, c'est que dans, dans les mariages que j'ai pu retrouver dans, dans les généalogies de ces familles, il y a beaucoup. Euh, ils se sont mariés avec des enfants trouvés, avec des... donc comme, comme s'il y avait une sorte de reproduction euh, sociale. De, de... Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai travaillé à partir d'ouvrages de, de, historiques paru donc euh, dans cette région, que je, je me suis inspirée pour essayer de comprendre euh, le, le destin de, de, de famille de, de la région. Et puis aussi, il y a une autre façon dont... Alors qu'à Minot, il y a, il y a, on a trouvé, euh, il y a eu beaucoup de, de recherches faites par Saint-Jacob, par des historiens, pas, et euh, dont on s'est beaucoup inspiré sur, euh, sur la façon de, dont les sociétés rurales s'organisaient euh, au XIXe 19e, euh, 19e siècle. Mais à à là, il s'est trouvé que j'ai eu... Euh, Peut-être la change, je ne sais pas, mais en tous les cas, que euh, par hasard, j'ai trouvé un roman paru en 1924 euh, par euh, un, un écrivain qui s'appelle Raoul Guin et qui a écrit un livre qui se passe exactement là où je travaillais, donc à La Hague même, dans les villages de La Hague où je travaillais, et qui s'appelle à chacun sa volupté. Alors bien sûr, le titre est très intrigant <laughs> et très intéressant aussi. Et j'ai voulu euh, aussi, est-ce que je pouvais me servir de cet ouvrage euh, littéraire pour comprendre ce qui se passait aujourd'hui dans la société euh, normande que j'étudiais là-même exactement Et euh, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait là dans, dans une sorte de... Euh, de raccourcis peut-être un peu euh, particulier une façon d'être euh, de, de ou de ces sociétés qui sont euh, qui vivent très euh, refermées sur elles-mêmes, qui euh, décident d'organiser le, le groupe en fonction de euh, d'accumulations euh, terriennes qui sont euh, peu ouvertes et qui veulent surtout euh, accumuler, non pas tellement accumuler du patrimoine, mais surtout, euh, en tous les cas, ne pas en perdre, parce qu'à euh, chaque génération, les héritages sont tous divisés en autant d'enfants, euh, que ce soit garçon ou fille. Euh, donc, il faut que chacun ait sa part, et à ce moment-là, les héritages, tout, à chaque génération, sont divisés. Donc, il faut à chaque mariage recommencer. Donc, on va chercher pour chacun de ces héritiers un mariage qui arrange, qui, qui, comme ils disent, qui mette les barrières avec les barrières, c'est-à-dire les champs avec les champs, qui vont permettre de reconstituer le patrimoine qui, à chaque génération, s'effiloche. Et donc là, c'est toute l'histoire aussi d'une euh, euh, servante, parce qu'il y avait beaucoup encore qui avait euh, malgré tout perturbé, euh, perduré, pardon, euh, depuis euh, Gilles de Gouberville, c'est que si officiellement on ne reconnaissait plus les bâtards, et euh, les amours ancillaires avaient beaucoup de. de euh, étaient encore très très nombreuses dans, dans ces sociétés euh, où euh, les servantes étaient à la merci euh, du patron en quelque sorte. Et il y a qu'à lire euh, Maupassant, toutes les histoires de Maupassant, les le contes de Maupassant racontent toutes ces histoires-là et ça se passe dans la même région. Et donc là on s'aperçoit qu'aussi, euh, une servante qui, qui euh, euh, est en, engrossée contre son gré, violée par, par le valet, pas du tout par le, le fils de famille, euh, mais elle ne va jamais avouer qui est le père de son enfant à ses, à ses patrons. Et donc toute l'histoire va, euh, toute la rumeur publique, va attribuer au fils de famille euh, la paternité de cet enfant. Et quand, quand la guerre de 14 éclate, euh, les hommes sont réquisitionnés, beaucoup meurent, et parmi les morts, eh bien, il y a à la fois les ouvriers agricoles, mais aussi le fils du patron, etc. Et comme il n'y a plus personne pour témoigner de qui était cet enfant, et que les, les, les parents qui se retrouvent seuls avec leur héritage en quelque sorte puisque leur fils est mort, qui n'a pas, euh, qui il euh, ils n'ont pas de, de, de petits enfants, euh, et que mais que la rumeur publique attribuait l'enfant de la servante à leur fils, eh ben ils vont adopter ce, ce fils et la servante va faire en sorte que son bâtard en quelque sorte parce qu'elle avait jamais avoué d'où euh, l'importance du silence dans ces sociétés, l'importance aussi de euh, de, de ces amours euh, ancillaires qui racontent quelque chose et aussi l'importance de la terre, d'avoir de, de, de un héritier pour la terre. Pour, euh, dans, 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 dans cette région, euh, à la fois on, on appartenait à la terre ou à la mer quand on était marin, euh, et les deux à la fois parfois aussi, euh, dans, ils étaient à la fois parfois... Euh, 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 possédait un, un morceau de terre et il partait en mer parce qu'il était fasciné par, par les lointains aussi. Donc voilà comment on peut se servir de, euh, de la littérature locale pour expliquer les mœurs euh, qu'on qu observe euh, dans, 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 cette, dans cette société. C'est donc, euh, vous voyez, toute une façon de, de travailler et aussi une certaine forme d'écriture. Parce que tout le. C'est. Un type d'écriture euh, que j'ai adopté pour travailler sur ces sociétés, c'est. Parce que je, euh, au début, je disais, on a refusé de faire une monographie sur Minot. C'est-à-dire que euh, on voulait pas euh, tomber dans, dans cette sorte de, 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 de modèle classique de, de la monographie de village, euh, qui, qui prenait avec des chapitres préétablis. Ce qu'on voulait, c'était euh, faire parler les gens. C'est-à-dire écrire ce, cette ethnographie en étant au plus près de la réalité. C'est-à-dire ne pas... On, on a laissé leurs mots, leurs propres mots qu'on citait. Alors évidemment, quand on travaille dans sa propre société dans la même langue, c'est plus facile de, euh, de pouvoir euh, les laisser parler même si c'était un français euh, euh, local qui, qui, qui avait des tournures euh, un peu régionales. Mais n'empêche que tout le monde comprend. Il est évident que quand on travaille dans des sociétés lointaines, exotiques, qui ne parlent pas la même langue, c'est difficile de... de Constamment euh, re, redonner, euh, le, 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 de, de travailler directement avec le, le langage même de, de ces gens-là. Là, on pouvait, euh, on peut euh, les, leur, les laisser parler en quelque sorte, ne pas substituer nos mots aux leurs. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a. Amino, c'est ce que j'ai fait euh, à la Hague, en, en essayant à chaque fois de, de restituer le, 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 oui, le, le, leur propre mot, leur, leur propre façon de s'exprimer et, et de montrer toute la, la, la richesse et la, euh, la compréhension, la beauté de, 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 leur, de, 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 de leur façon de, de comprendre la société.